Salut Divine! Salut Aurélie, ça va? Super, et toi? Bien, bien installé, c'est bon? Ouais, merci. Peux démarrer? Oui. Tu prends une profonde inspiration. Je vais compter de 10 à 1. Et à chaque numéro prononcé, tu vas t'enfoncer et te détendre. Sentir ton corps. De plus en plus. Tu continues de te détendre et sentir ton corps qui s'enfonce davantage dans cet espace hypnotique. 2 et 1. Aurélie, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu vas te connecter au mot jumeau. 1, 2 et 3. Je vais te poser la première question. Observe ce qu'il se passe énergétiquement dans le ventre d'un être humain au moment de la conception de jumeaux. J'ai le signe de l'éternité, le 8 qui m'apparaît, et je vois un flux comme ça continu du 8 qui se passe énergétiquement dans ce corps. Je vois ça de couleur jaune et je vois oui, ce symbole d'éternité et de 8 qui apparaît. Quand tu dis dans ce corps, c'est Au c'est-à-dire niveau de. Au niveau de l'utérus et d'accord. dans le ventre, je vois comme un 8 en or qui apparaît et je vois un flux comme ça D'accord. avec ce mouvement d'éternité. Je vois cette liaison comme le 8, comme ce symbole oui, Est-ce que d'éternité, comme le symbole d'Ouroboros aussi, je vois. deux, tu me dis? D'Ouroboros. Tu peux me le décrire, ce symbole? C'est le serpent qui se mord la queue. D'accord. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Et énergétiquement, je vois quelque chose qui se scinde, que ça se scinde aussi dans le ventre de la mère, que comme une poche est scindée en deux. Énergétiquement? Énergétiquement, oui, C'est ça? D'accord. je vois quelque chose qui se scinde et je vois qu'il y a aussi un mouvement, mais quelque chose est
et scindé. D'accord. Très bien, Rally. Quelles sont les conditions et exigences d'un point de vue physique pour qu'une femme conçoive des jumeaux? Génétique. Oui. Quelque chose en rapport avec le sang. Physique, il y a quelque chose en rapport avec le sang. Et j'ai l'impression qu'aussi il y a comme une volonté, comme quelque chose de karmique et de génétique. Alors, justement, la prochaine question est exactement la même, mais sur un point de vue éthérique. Je vois une flamme, je vois comme des âmes qui ne voulaient pas se séparer ou qui voulaient se retrouver en fait. Je vois quelque chose de très fort, je revois depuis le départ en fait ce signe de l'éternité et je le vois comme un feu ardent. D'accord. Tu me disais qu'est-ce qu'ils voulaient pas se séparer sur le point? Oui, ou qu'ils ne voulaient pas se séparer, ou qui souhaitaient se retrouver. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir très fort, une volonté. Sur deux entités, c'est ça? Oui. Ou deux âmes qui ont pu se connaître, ou qui se sont connues, et qui ont. Quand on dit désirer, le désir, c'est contempler une étoile. C'est comme si. Ils se contemplaient l'un l'autre et que chacun avait fait ce souhait de se retrouver comme scindé, comme rejoint pour être mis au monde. Tu vois autre chose? Je les vois par exemple dans le ventre se tenir la main l'un l'autre. Quel impact sur la gémellité peuvent avoir les conditions subliminales, karmiques et généalogiques? Un impact très fort sur un chemin de vie qui, même s'il est différent, que même s'ils sont séparés, où ils ressentiront toujours les émotions de l'autre. Comme si, même si ils avaient été séparés dès la naissance, comme si ils peuvent ressentir vraiment ce que l'autre ressent, qu'il peut ressentir si l'autre a un accident, si l'autre a une blessure, et karmiquement aussi, je les vois aimer les mêmes personnes, tomber amoureuse des mêmes personnes. Je les vois très liés et que c'est très important, par exemple, d'être là l'un pour l'autre pour se conseiller, et que lorsque c'est pas le cas, ils sont capables de le faire télépathiquement, et que le lien. Et juste incassable. Y a-t-il d'autres exigences qui déterminent cette condition? Impact qui me vient en tête. Y a, apparemment, il y a différentes formes d'exigences. J'ai l'impression que certaines fois, c'est comme s'il y avait eu un pacte de sang entre deux âmes. Un pacte, tu Oui, dis? comme un pacte de sang, je les vois s'échanger du sang et se faire une promesse de se retrouver même dans d'autres vies. Bien. Observe une femme humaine qui conçoit des jumeaux en 2020 et compare-la à une femme ayant des cellules jumelles au début des années 1900. Et y a-t-il des différences? Si oui, lesquelles? Étrangement,
Quand je vois cette femme en 2020, je vois que les jumeaux peuvent aussi être différents, complètement différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jumeaux avec un garçon et une fille. Et quand je remonte dans le temps, que je vois vers en 1900, je vois des copies conformes. D'accord. Je vois une autre, aussi une autre forme et une autre essence au niveau de l'énergie. En 2020, je vois une couleur bleue, bleu néon pour ces jumeaux. Et en 1900, je ne vois pas du tout cette. Cette Je couleur. ne vois pas cette. Oui, je ne vois pas cette couleur. Je vois quelque chose de plutôt rouge. Ok. Très bien. L'humanité a-t-elle toujours produit des jumeaux? Oui ou non? Non. Je ne vois D'accord. pas, je ne le vois pas. Je ne... Non. Observe les différents types de jumeaux: dizygote, monozygote, siamois, très rares jumeaux semi-identiques. Y a-t-il des différences du point de vue subliminal ou du point de vue de l'âme? Oui, tout à fait. Lesquels? Eh bien, ceux qui sont vraiment tout à fait semblables ont un lien subliminal très fort. Ils vont même partager une partie, ils vont même complètement partager en fait leur partie subliminale. Ceux qui sont comme aussi comme les Siamois, alors là, ils sont carrément sur la même partie subtile et la même partie subliminale, ils vont vraiment être un. Et ceux qui sont donc, je pense, les dizygotes, là, ceux qui sont différents, comme par exemple un garçon et une fille, eh bien, alors là, ils ont chacun leur partie subliminale. Très bien. Ok. Les jumeaux peuvent-ils développer des compétences extrasensorielles? Oui, je le voyais directement. La télépathie en particulier, et aussi complètement. Je voyais que même quand ils sont séparés, ils ressentent même les souffrances du corps de l'autre. Ils peuvent savoir si par exemple l'autre vient à mourir, ils le savent immédiatement dans leur corps. Et ils ont carrément des phénomènes physiques. Alors ça va au-delà de la télépathie, c'est des dons de médium très très forts. Ils sont capables de communiquer aussi physiquement. Oui, entre eux, il y a une médiumnité sur un très large spectre. Et de quoi cela dépend-il? Leur connexion et de leur c'est ce qui les lie ben je pense que c'est je vois comme si leur partie subliminale aux deux ne faisait se relier était capable de toujours être en commun même quand physiquement ils sont séparés. Leur partie subliminale est toujours capable de communiquer avec l'autre parce qu'il y a un lien. Je vois ça comme une corde d'argent. Je vois comme une corde d'argent qui les relie. D'accord. Alors, la prochaine question, tu lui as quand même répondu déjà. Y a-t-il une connexion télépathique subliminale entre les jumeaux? Oui, complètement. Et elle est.
Elle est vraiment incroyable parce que quand je vois la partie subliminale là de jumeaux, je les vois s'assembler, que leur partie qu'ils c'est pas simplement ils se superposent, vraiment ils s'infiltrent l'un dans l'autre. Décris-moi la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. Ce qui me vient, c'est un accident. Et alors, Est-ce que tu observes quelque et chose? j'observe comme une maladie. Je vois encore quelque chose avec des globules. Je vois des globules rouges. Je vois quelque chose en lien avec le sang, les globules rouges et les globules blancs. Et je vois un amas qui se fait et quelque chose qui vient entre les cellules scinder la chose. Je vois vraiment quelque chose avec eh bien, le sang que la mère apporte à son fœtus. Il y a comme quelque chose qui, je sais pas, comme une qui rompt la cellule qui devait être une. Il y a quelque chose qui vient là. Et j'ai l'impression que ça vient du sang et des globules blancs et des globules rouges. Je vois en fait comme un haricot blanc et je vois quelque chose qui vient pousser au milieu avec des globules rouges et qui vient séparer ça en fait. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme un accident dû à une maladie. Ou un bug, j'ai l'impression. Regarde là où les parties subliminales liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de la gélimité dans la troisième dimension. Alors, j'aurais besoin que tu me reformules cette question parce que, alors, je regarde. Regarde là où les parties subliminales liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de la gélimité dans la troisième dimension. Première chose qui me vient, c'est l'amour. C'est un amour incommensurable. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a c'est des comme des entités, des âmes qui se sont connues dans certaines vies antérieures et qui se sont fait des promesses et qui ils se sont fait des promesses et qui ont vraiment sur le plan subliminal souhaité aussi bien l'un l'autre de se relier, d'être reliés, parce qu'en fin de compte, ah oui, je vois qu'en fin de compte, c'est des personnes aussi qui ont été séparées souvent très brutalement, suite à un accident, suite à des morts violentes, et qui pourtant s'étaient fait la promesse de rester ensemble, par exemple, pour la vie. Et que je vois ce genre de conditions qui amènent à la gémilité. Vraiment, genre la rupture, le choc de la rupture avec des êtres très, très aimés, qui étaient très, très, très importants dans la vie. Mais ça peut être en fait un père, une mère, une sœur, un frère, un amour. Et j'ai l'impression qu'une rupture est. Alors que chacun ressentait le besoin l'un de l'autre dans la vie, une rupture violente a été faite. Ok, très bien. Aurélie, on est arrivé à la fin de la première partie. Si tu veux, je vais te poser quelques questions en plus. Alors, sur la première question, tu m'as parlé d'une énergie circulant comme
le signe de l'éternité est de couleur jaune. Qu'est-ce que ça Oui. représente? Pourquoi Ça tu vois ça? représente quelque chose. Parce que c'est un tout, c'est un amour éternel, c'est le début, c'est la fin, c'est quelque chose, c'est l'éternité, c'est un lien imbrisable. Et pour le serpent qui se mord la queue, c'est la même chose? C'est exactement pareil. Je vois en fait l'ouroboros, pareil, dans cette forme de 8. Et je vois, c'est le yin, c'est le yang, et c'est un mouvement perpétuel en fait. Et c'est quelque chose qui peut te faire évoluer, comme qui peut te faire tomber, mais c'est vraiment quelque chose de. Pour moi, c'est la représentation de l'univers. Hein. D'accord. Sur la troisième question, on a parlé des conditions et exigences d'un point de vue éthérique pour qu'une femme conçoive des jumeaux. D'accord? Sur le point de vue éthérique. Et tu m'as parlé de deux flammes qui voudraient se retrouver. Je voudrais savoir si ces deux flammes, si ces deux parties subtiles ont un ADN en commun. Ou quelque chose en commun. Non, pas spécialement, mais la condition éthérique que je n'ai peut-être pas bien expliquée, que je vois chez la femme, c'est qu'elle donne son autorisation. C'est la femme, sur le plan éthérique, pour permettre, en fin de compte, la réunion, par exemple, de ces deux âmes qui veulent se rejoindre. C'est la femme qui a un patrimoine génétique qui donne cette autorisation, en fait. D'accord. En fait, c'est l'ADN de la femme qui permet la réunion de ces deux âmes qui, par contre, n'ont pas de façon obligatoire quelque chose de commun, tous les deux sur le plan ADN et qui peuvent justement être diamétralement opposés. Tu m'as parlé de pacte aussi entre deux âmes. Oui, pour moi, le pacte entre les deux âmes jumelles, c'est souvent un pacte de ne jamais se séparer, en fait. Alors, c'est comme, par exemple, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui a, eh bien, un accident violent, dans n'importe quelle condition, un couple, un père avec son enfant, et le père survit. Et l'enfant décède, et là, et pourtant, par exemple, le père avait toujours, s'était toujours fait l'idée de toujours protéger son enfant et de ne pas s'en séparer, par exemple, dans ces conditions-là. Mais les conditions peuvent être variées, nombreuses, mais je vois aussi surtout après des pactes de sang dans des conditions d'amour. Et peut-être D'accord. des choses un peu plus anciennes où je vois des personnes qui se piquent. Et échangent leur sang. D'accord. Je vais te parler d'une histoire. Tu vas te connecter à ce que je te dis et tu vas me dire ce que tu vois, d'accord? Oui. Voilà, j'ai connaissance d'une histoire. Deux parents ayant trois enfants, 6, 8 et 4 ans, deux garçons et une fille. Ils ont un accident et un poids lourd rentre en collision avec cette voiture. Les parents perdent leurs trois enfants. Plus tard, la mère tombe enceinte et attend des triplés. Elle attend deux garçons et une fille. Dis-moi ce que tu observes sur le plan éthérique. Alors, en fait, surtout là, j'ai surtout des grandes sensations corporelles, physiques, qui m'ont parcouru. J'ai ressenti beaucoup de. En fin de compte, lorsque tu me racontais cette histoire, j'ai eu toute une vague de frissonnements qui m'a parcouru tout le corps, des pieds jusque dans les mains et sur le plan éthérique. Bah, ce que je vois, c'était le désir de retour de leurs parents. D'accord. Donc en fait, tu es en train de me dire que les parties subtiles des triplés
était des... viennent des trois enfants qui sont décédés dans l'accident. Très bien. Est-ce que quand tu observes, parce que c'est encore deux garçons et une fille, est-ce que les deux garçons ont pris la place des deux garçons et la fille de la fille? Je ne peux pas te le confirmer. Ça, ce n'est pas... Non, peut-être un des garçons et la fille. D'accord. Ensuite, nous avons observé donc une femme en 2020 qui conçoit des jumeaux et on l'a comparée avec des cellules jumelles des années 1900. Et tu m'as parlé d'une couleur bleue en 2020 et d'une couleur rouge en 1900. Oui. Peux-tu me dire pourquoi cette différence de couleur? Alors, je vois cette différence de couleur. Étrangement, la couleur rouge, là, dans le contexte 1900, je la relie à la colère, à la volonté de revenir, mais pour peut-être se venger ou revenir pour quelque chose qui n'est pas fini et qui était... C'est étrange, c'est pas, pour moi là, je le ressens. Ah. La couleur rouge, l'énergie de cette gémellité, elle est, c'est quelque chose qui est pas réglé en fait entre ces deux âmes. Alors que quand je vois la couleur bleue, c'est vraiment une réunion heureuse. Alors que la couleur rouge, je vois que c'est une réunion belliqueuse en fait. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec les années, c'est juste émotionnel. Oui, c'est émotionnel en fait. Très bien. Si ça a à voir avec les années, parce que ça a à voir aussi avec le contexte historique Ok. d'être mis au monde dans telle ou telle époque. Alors, maintenant, on va parler des parties subliminales dont tu m'as parlé tout à l'heure, les parties subliminales partagées. Donc, tu me parlais des monozygotes, des vrais jumeaux. Donc, ils partagent leur partie subliminale, c'est-à-dire. Ben, en fait, ils se... Alors, lorsqu'ils sont éloignés, par exemple, géographiquement, très loin de l'autre, ils ont chacun la leur. Mais quand ils décident de se connecter l'un à l'autre ou lorsqu'ils sont proches, je vois leur partie subliminale s'imbriquer et non pas se superposer, mais... Comme rentrer l'un dans l'autre, comme tu sais, des poupées ru russes, vraiment s'infiltrer, que les deux parties s'infiltrent l'une l'autre. Pourquoi font-elles ça? C'est un besoin. Est-ce que cela permet de garder une connexion quand ils sont séparés? Ce qui me vient, c'est la survie. C'est comme si ça, tout ça, ça dépendait de la survie de leur âme. C'est comme si c'était impossible de faire autrement. C'est impossible de faire autrement. C'est trop imbriqué, trop lié. Est-ce que tu vois autre chose autour de cette... quand ils s'imbriquent comme ça l'un dans l'autre, tu vois autre chose? Oui, je vois que pour certains, ça ne leur convient pas et qu'ils aimeraient pouvoir sortir de ce show, de cette poupée russe. Alors donc ce n'est pas volontaire. Non, pas spécialement. J'allais dire c'est physique, mais c'est pas physique puisque c'est sur le plan éthérique, mais c'est comme magnétique, c'est comme s'il n'y avait pas le choix. Parce Comment que ça se passe? quand j'en Pardon. vois un qui essaye de sortir, je vois qu'il peut sortir qu'un bras et qu'il peut pas en sortir. D'accord.
Donc ce serait une des deux parties subtiles qui déciderait ou ce serait la force des choses C'est qui la était. force, c'est la force de ce que de ce qui est là et de ce que c'est en fait. Ça, c'est comme ça, ils sont un. D'accord. Et comment cela se passe-t-il pour les faux jumeaux, les dizygotes, qui ont une partie subtile chacun, bien évidemment? Comment ça se passe pour eux au niveau C'est de la connexion? différent, mais ils sont alors justement, ils sont capables aussi vraiment de force connectée, mais ils ne sont pas imbriqués ainsi. Eux, ils sont capables de se superposer. Bien. Très bien. Tu m'as parlé aussi d'une collection avec un lien. Une corde d'argent. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, je vois une corde d'argent et je vois que certains ont voulu justement sur le plan éthérique ou subliminal créer des ciseaux pour la couper, mais que c'est très difficile. Très D'accord. difficile de trouver quelque chose capable de couper cette corde d'argent parce que c'est comme si elle se tresse de nouveau, elle se tresse de nouveau, même quand tu essayes de la... De la dénouer ou de la couper, parce que tu peux pas la dénouer. Je vois, tu sais, comme des ciseaux éthériques qui ont été créés par certains pour essayer de couper cette chose, mais que cette corde d'argent se tresse de nouveau et se relie de nouveau. On voit ça comme une tresse à plusieurs branches argentées. D'accord. Je vais te poser une dernière question. Quand un jumeau, que ce soit un vrai ou un faux, sent l'accident de son frère ou enfin de son jumeau, hein, ou alors la mort de son jumeau, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans leur corps physique à ce moment-là? C'est horrible. Ils ressentent tout ce que l'autre sent. Si son jumeau meurt noyé, il ressent l'oppression, il ressent la noyade, il ressent tout ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti dans son corps. Il ressent tout. Il ressent tout. Au niveau de la partie subtile, qu'est-ce qui se passe? Au niveau éthérique, qu'est-ce qui se passe quand la mort de l'autre survient? Il est comme libéré de l'autre. Il devient lui, mais plus lié à un autre. Il n'est plus identique à. Il est juste son identité qui n'est plus partagée. Mais c'est une souffrance immonde parce que je vois que vraiment, ils ressentent vraiment. Dans leur corps, par exemple, les effets physiques et de mort ou de choses comme ça. Mais qu'après, oui, à ça, je vois libéré. Après, peut-être qu'il y a différents cas. Observe ce qui se passe observe les deux parties subtiles au moment où un des jumeaux décède. Je veux que tu regardes les deux parties subtiles et voir comment Oui, il y en a une qui s'en va. l'autre réagit comment. C'est Ils se disent sûr. au revoir. Non, ils n'ont pas le temps. Ok, tu vois autre chose? Je vois que c'est terrible pour un jumeau de perdre son autre. Il est son autre, quoi. Je vois que c'est très, très, très difficile, très, 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 très difficile de n'être plus qu'un. Enfin, c'est difficile à expliquer. Ils sont un tous les deux et de se retrouver seul sans l'autre, ce n'est plus.
C'est assez terrible psychologiquement et moralement parce que ce lien, il est éternel en fait. Et c'est très difficile de faire ce deuil. Quand tu observes des jumeaux, imaginons une dizaine d'années, tout le temps ensemble, enfin faisant leur vie tranquillement, est-ce que sur quand ils communiquent, même télépathiquement, est-ce que tu vois sur les corps, sur leur corps subtil, où ça communique? Oui, je vois le troisième œil en premier abord. Et puis je vois que ça communique aussi au travers du corps physique, hein, et sur l'éthérique, je vois qu'aussi ça communique aussi au niveau du chakra couronne. Très bien. Est-ce que cela change quand il y en a un qui décède ou ça reste exactement pareil? Non, ça change. Sur celui qui reste, hein, bien sûr. Oui, ça change. Il a appris à communiquer avec cet autre de cette façon et oui, ça change, c'est coupé. C'est éteint. Ça, c'est éteint en fait. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il met en place physiquement ou avec ses corps, avec tous ses corps pour survivre à la mort de l'autre? C'est très difficile. Quelque part, une partie meurt. Et quelque part, il survit pas totalement à la mort de l'autre. Comment tu te sens, Romy? C'est comme si, ouais, c'est très triste parce que c'est vraiment comme si comme si une partie de son âme mourait. Et comme si c'était irrécupérable. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il essaye de s'occuper de. C'est Oui, très physiquement. difficile. C'est très. Oui, mais c'est très difficile de. Sur Il les... essaye. Alors, je sais pas. Il essaye de se dire. Il essaye de dire que l'autre, en fait, va survivre à travers lui. Donc c'est son ego qui prend le dessus, ce n'est pas ses parties, sa partie subtile ou ses corps énergétiques qui fait le travail. Difficilement. Il faut de l'aide. Sinon, il demande de l'aide souvent. C'est très particulier. C'est très. C'est innommable, en fait, de perdre son autre comme ça. Après, la seule chose qu'il peut faire de. Qui leur redonne encore de la joie de vivre, c'est de se dire que même s'il n'est pas lui, quelque part, ne serait-ce que de le garder dans son cœur, oui, que par l'amour, en fait, de garder l'amour et son souvenir, mais c'est très difficile parce que les autres voient les autres personnes ou la famille voient l'autre à travers lui, c'est très difficile. Très, très. Très bien. Bien Aurélie, malheureusement, nous allons finir sur ces notes un petit peu tristes. Tu peux Oh oui, c'était un peu triste là. te déconnecter de ces Bien sûr. sensations-là. Et on va pouvoir tu vas pouvoir te déconnecter de toutes ces images. Et je vais te ramener à la maison. Je vais compter de 1 à 3.
Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi
quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte
tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle. E anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno. Perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva, che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico, implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.